Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympa, un petit vlog, une sorte de vlog. Mais aujourd'hui je vais vous parler de mes playlists, donc tout le travail que j'ai réalisé pour que vous puissiez rechercher exactement ce que vous voulez sur ma chaîne. Donc déjà tout simplement quand vous voulez aller chercher des playlists, quand vous voulez consulter un sujet très spécifique sur ma chaîne, il suffit d'aller dans l'onglet playlist en haut de ma chaîne et là vous allez trouver des playlists. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes playlists sous les yeux. Comme ça je vais pouvoir exactement vous dire ce que j'ai comme playlist et à quoi elles correspondent. Donc on va commencer par la première playlist. Donc là j'ai mis cabriolet et décapotable. Donc vous pourrez retrouver tous les véhicules cabriolet et décapotable. J'ai bien mis cabriolet et décapotable parce que, par exemple, la Abarth 184 Pista que j'ai essayé la dernière fois sur la chaîne, la vidéo est disponible d'ailleurs, allez la voir, elle est seulement décapotable. On ne peut pas dire que c'est un vrai cabriolet comme une MX-5 par exemple. Ensuite, on a la playlist américaine. Donc, vous allez retrouver toutes les voitures américaines que j'ai traitées sur ma chaîne. Vous allez toutes les retrouver dans cette playlist. Ensuite on a pareil avec les anglaises, les tchèques, les françaises, les allemandes, les italiennes, voilà. Donc j'ai mis toutes les nationalités, à chaque fois c'est toutes les nationalités que j'ai pu traiter dans l'automobile et vous allez retrouver tout, voilà. Ça vous permet, vous pouvez rechercher le type de voiture, la nationalité, la marque et encore quelques petits détails. Ensuite on passe à la playlist série limitée. Donc ça va être tous les véhicules qui sont de série limitée. Donc la Abarth en fait partie, c'est pour ça que j'ai lancé une playlist, sachant que je ne fais pas toutes mes playlists avant. Ça veut dire que je sors les nouvelles playlists en fonction des nouvelles vidéos. La Abarth a fait ouvrir par exemple la playlist décapotable et cabriolet et la petite playlist série limitée. On a la playlist Abarth, puisque j'ai traité la marque Abarth. La playlist petite citadine sportive, donc j'ai inclus la Abarth là-dedans, parce que c'est pas une GTI, c'est pas une citadine pure, parce que les citadines c'est l'échelle Clio, 208, Fiesta, Corsa, etc. Et Yaris aussi. Mais ça c'est encore en dessous, c'est encore plus petit. C'est pas micro citadine, parce que ça a quand même un peu de volume, mais bon. Voilà, c'est les petites citadines sportives. Et par exemple, le jour où j'essayerai une Suzuki Swift Sport, je la mettrai là-dedans. Ensuite, on a la playlist Époque Auto. Donc ça, c'est la playlist qui va concerner toutes les vidéos sur le salon Époque Auto en particulier. Quelle que soit l'année, le sujet, c'est tant que ça concerne Époque Auto, ce sera là-dedans. On a la playlist donc Salon Automobile qui en découle forcément. Et là, ça veut dire que tout... Les salons automobiles ont leur place ici, que ce soit Retro Classica, Époque Auto ou un salon automobile normal. Ensuite, on a la playlist Maserati pour la marque. On a la playlist Minivan Familiaux. Donc voilà, prenez l'exemple que je vais utiliser là-dedans, ce sera le Fiat Scudo qu'on a essayé sur la chaîne. Allez voir la vidéo d'ailleurs aussi. Ensuite, on a une playlist Fiat. Pour la marque, on a une playlist vlog, donc pour le moment il y avait deux vlogs. Ensuite on a la playlist Le Garage de Rêve LSV. En fait ça c'est tout simplement ce que j'appelle le garage de rêve. C'est tout simplement toutes les voitures que j'aimerais, dont je rêverais voir avoir la prise, enfin voir les avoir dans mon garage quoi. C'est ça le garage de rêve LSV. Ensuite on a la playlist Son voiture, donc ça c'est dès que je fais une petite vidéo sur une voiture, le son d'une voiture, et là la vidéo qui a déclenché cette playlist c'était la vidéo là, petit clip vidéo très court sur la BMW qui était passée devant chez moi. Ensuite on a une playlist BMW pour la marque, on a une playlist hybride diesel, donc là dedans il y aura tous les hybrides diesel. C'est assez spécifique, par exemple si vous arrivez sur la chaîne vous dites je veux absolument trouver ce sujet là un peu spécial. Et hop, vous retrouverez exactement les vidéos dessus, quoi. Vous n'avez pas besoin de chercher dans tout hybride, vous avez carrément hybride diesel pour trouver. Vous avez une playlist Peugeot, je vous invite à aller voir l'essai du Peugeot 3008 hybride 4 que j'ai testé sur la chaîne.
Dans la tempête Alex, en plus, quelle idée de faire une vidéo avec un vent pareil. Donc pour la marque, on a une playlist SUV compacte, donc pas tout simplement. Par exemple, un SUV Peugeot 3008, c'est un SUV compact, puisqu'il est sur base de compact, puisqu'il est sur base de 308. Ensuite, on a une playlist véhicules électriques. Donc ça, c'est tous les véhicules électriques. Pour le moment, il y en a un qui a été traité sur la chaîne. C'est pas le genre de domaine que je préfère, mais quand il faut traiter des véhicules électriques, eh ben, ce sera dans cette playlist. On a une playlist Skoda pour la marque. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'essai vidéo de la Skoda Superbe 4x4 de l'ITDI 170 chevaux. C'était sympa. C'était le premier essai que j'ai fait, mais c'était sympa. Le premier que j'ai tourné, pas qui est sorti. On a une playlist Grande Berline Routière, et bien justement, à cause de cette Skoda Superbe. Ensuite, oulala, ça chavire. Oh, ça chavire un peu cher. Alors ensuite, on a une playlist Collection Livres Essais. Donc ça, c'était les essais virtuels que j'ai résumé dans un petit livre. C'est très sympa. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer parce que c'était un peu compliqué. Et en plus, j'avais eu des droits d'auteur sur la vidéo. Je sais pas du tout pourquoi, mais... Ouais, j'ai peur que ce soit YouTube qui est mal compris ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai une playlist compacte. Donc ça, c'est pour toutes les voitures compactes. Dont l'Audi A3 qui a déclenché cette playlist. L'Audi A3 S-Line TDI 140 chevaux 2010 que j'ai testé sur la chaîne. Je vous encourage vivement à aller voir ces vidéos. Si je vous encourage à aller voir, c'est que je sais que ça va vous intéresser parce que c'est le meilleur contenu pour le moment que j'ai présenté sur la chaîne. Et non, franchement... Allez-y, ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de vues, sachant qu'en plus, l'Audi A3 S-Line, voilà, c'est pas juste n'importe quoi, puisque c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne. Elle est pour le moment à 1400 vues, comparé aux autres qui sont plus autour de 200 vues. C'est quand même sympa. Ensuite, on a une playlist essais occasion, donc ça, c'est les essais tout simplement de voitures d'occasion, à différencier des voitures neuves, voitures youngtimers et voitures anciennes. On a une playlist essais, donc ça va regrouper tous les essais. Ancienne, Youngtimer, occasion neuf, voilà. Ensuite, on a, je regarde hein, quand même si j'en ai encore, on a la playlist Prato pour la marque, donc si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo sur la Prato Orage, ça vous fera découvrir peut-être une voiture que vous ne connaissiez pas jusqu'ici. Une extraordinaire voiture, mais je ne l'ai pas testée en vrai, je l'ai testée virtuellement. On a ensuite une playlist Ferrari pour la marque, donc j'ai présenté un modèle réduit, un 1/18e magnifique de Ferrari F50, et aussi une Ferrari, voilà. je sais plus, oh, arrêtez, je sais plus. Désolé, mais là, je sais plus. 412, la Ferrari, c'est maintenant, je sais. Ensuite, on a les berlines et breaks sportifs en playlist, donc ça, c'est les berlines et breaks sportifs. Si vous voulez, prenez l'exemple de la RS4, voilà, breaks sportifs. Je veux dire que celle qui a déclenché la playlist c'était l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, super bagnole, et allez aussi voir les vidéos. On a une playlist donc Alfa Romeo aussi. On a encore quoi? Une playlist Supercars, donc ça c'est encore une nouvelle fois catégorie de voiture. Vous retrouverez les Supercars, une playlist Ascari pour la marque, allez voir la vidéo, peut-être que vous découvrirez une voiture que vous ne connaissiez pas. GTI Citadine. Tout simplement, les Citadine GTI, à différencier des compacts GTI, tout simplement, on va prendre très simple, Polo GTI, à différencier avec Golf GTI. Citadine, compact. Une playlist SUV, donc tous les SUV, quels qu'ils soient, de quelle que soit leur taille, se retrouveront ici. Youngtimers, donc une playlist pour les Youngtimers. Donc, bref, la période Youngtimers, je vais pas commencer à vous l'expliquer, ça prendra trop de temps. Une playlist pour les sportifs GT, donc pour les grandes GT, les voitures de grand tourisme, style McLaren GT, Ferrari 412, comme j'ai testé sur la chaîne, voilà. Ou bien l'Alpine A610, que j'ai aussi testé virtuellement sur la chaîne. Une playlist Hypercars, pour les voitures de plus de 1000 chevaux, là quand ça envoie. Donc j'ai testé la playlist GNT, c'est cette voiture-là, la GNT Aquilon. Franchement, hypercar française complètement méconnue. Évidemment, elle n'est pas encore sortie vraiment, mais elle est très intéressante. Ensuite, on a une playlist Alpine, pour la marque Alpine, tout simplement. D'ailleurs, allez voir la vidéo de l'Alpine A610. Peut-être que vous découvrirez un petit truc, on ne sait jamais.
J'ai vidéo sélectionné. Les vidéos sélectionnées, c'est des vidéos sélectionnées exprès pour vous. Ça veut dire que c'est des vidéos qui font partie des vidéos que j'aimerais vous faire passer, un message que j'aimerais vous faire passer parfois. Et franchement, je vous encourage à aller les voir parce que c'est des sujets que parfois je peux pas traiter, mais du moins qui sont traités ici. Playlist Ford pour la marque Ford. Ensuite, a-t-on encore quelque chose? Playlist Actu Automobile. Alors, je fais pas beaucoup d'actu automobile. Il y a les journalistes pour faire ça. Il y a d'autres comme Planète GT qui sont là aussi pour faire des actus. Moi, je suis pas. Il faudrait que j'ai tout mon temps pour pouvoir être pile poil à l'actualité. Bon, je l'ai fait qu'une seule fois. Ensuite, est-ce qu'on a encore? Oui, bah les essais auto virtuels. Donc, les essais automobiles virtuels. Donc, ça, c'est tous les essais virtuels. Hors série. Les automobiles les plus dingues de l'histoire. Bon, peut-être pas les plus dingues de l'histoire, mais des voitures dingues. Voilà. Design automobile et la chaîne en général. C'est tout ce qui concerne la chaîne en général. Donc voilà, j'ai fini les playlists. À quoi ça sert? Bah, tout simplement à ce que vous puissiez rechercher exactement ce que vous voulez sur ma chaîne. C'est un gros travail. Je vous encourage à les consulter beaucoup plus régulièrement. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire défiler toutes les vidéos pour trouver celles qui vous intéressent. Allez, c'est parti. On continue à regarder mes vidéos, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites déjà. J'en ai fait une trentaine et j'espère. Et je suis en train vraiment d'essayer de vous préparer du lourd, de l'intéressant en termes d'essai automobile. Donc abonnez-vous au Studio Vaillant. Ça vous fera plaisir. Plaisir garanti, en tout cas passion garantie, ça c'est sûr. Allez, je termine cette vidéo. Je vous dis bonne fin de semaine à tous. Parce que je la tourne en fin de semaine. Et puis voilà, bon week-end en tout cas. Allez, profitez bien de la passion.